Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, vendredi 22 décembre 2023. Cette fin d'année se passe vraiment super bien. Ce qui est très très plaisant ces derniers jours, en particulier, on va aller voir quelques exemples, c'est qu'il y a eu une énorme rotation sectorielle. Il y a eu des dossiers comme Solana, clairement, qui ont fait exploser les Layer 1. Derrière, suivi par Avax. Maintenant, on a des dossiers comme NIR. On a pas mal de dossiers qui sont en train de littéralement exploser. Et à chaque fois, c'est des fois 4 à fois 6. Ce qui est intéressant, c'est que ça commence à tourner au niveau sectoriel. On a Polkadot aussi qui arrive. On commence à avoir des très très belles choses. Ce que je veux dire dans l'un de ces derniers journaux de 2023, c'est que 2023, ce n'est qu'une mise en bouche. On l'a vu sur les trois quarts de l'année, c'était le Bitcoin tout seul. Là, on commence à avoir quelques grosses altcoins, mais pour moi, ce n'est que le début. Vivement 2024. On va aller voir encore quelques grosses actualités et on finira sur des dossiers tout simplement comme je vous l'illustrais. Pour illustrer ce que je vous disais par rapport à cette rotation sectorielle, on a des dossiers qui explosent de partout. Petite précision très importante, c'est que je serai off samedi, dimanche, lundi. Voilà, pour les fêtes, je fais un break. Grosso modo, bien évidemment, s'il se passe des trucs de fou, ben, il y aura des flashs, mais c'est à peu près tout ce que je vais faire. Je vais être vraiment en break là pendant 3 jours. Je dois m'occuper tout simplement de mes affaires. Je serai de retour mardi. Par contre, la semaine prochaine, je serai là mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pareil, je ferai un break samedi, dimanche, lundi. Et grosso modo, par contre, la semaine prochaine, il n'y aura que du lourd. Il y aura mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le morning comme d'habitude. Je pense que mardi, mercredi, ça sera plutôt 2 dossiers autour de bilan sur l'année 2023. Et jeudi, vendredi, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, on se projette déjà sur 2024 parce que c'est vraiment là qu'il faut se projeter, tout simplement. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez à avoir, on en parle beaucoup en termes d'adoption et surtout en termes de FOMO. La presse économique, en particulier les deux gros plus gros journaux, La Tribune, Les Échos récemment, j'en parlais. Là maintenant, c'est La Tribune, l'incroyable rebond du Bitcoin, plus 163%. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Là, ça s'adresse plutôt à des investisseurs, à des boursiers. Et grosso modo, quand ils voient ça, ils se disent waouh, là il y a un truc qui se passe sur le Bitcoin. Ils entendent parler de partout de BlackRock et tout ça. Et donc, l'adoption, elle vient aussi à travers la presse financière, qui ne parle pas si souvent que ça du Bitcoin. Par contre, quand ça fait plus 163%, ça parle à tout le monde, n'importe quel investisseur, quel que soit le support. Les gens vont s'intéresser au Bitcoin tout simplement, et ils savent que c'est peut-être que le début d'un truc. Je pense que c'est le début de la FOMO qui commence avec ce genre de choses. Ensuite, justement, petit flashback, il y a un an, le Bitcoin était à 16 800. Il y a un an, jusqu'où peut-il aller en décembre 2024? Je pense que c'est le jeu des prédictions. Tout le monde le fait. À titre personnel, vous le savez, je pense depuis le début qu'au pic du bull run, quand est-ce qu'il aura lieu en 2024-2025? Je pense plutôt début 2025, mais j'en sais absolument rien. Et donc, pour moi, le pic du Bitcoin, ça sera entre 150 000 et 200 000 dollars. J'ai fait plusieurs analyses, je vous l'ai montré, ainsi de suite. Ça converge pas mal vers cette cible. Et les ratios les plus simples, c'est multiplicateur du précédent bull run. Donc, x2 à x3, ça a fait 69 000. Voilà, on est sur ces bases-là. Grosso modo, est-ce que ça le fera en 2024? Moi, je pense qu'en 2024, déjà, on fera un nouvel ATH. Et je pense tout simplement que si on fait un nouvel ATH en 2024, on ira exploser les 100 000 dollars. Donc ça, c'est quelque chose d'important à court terme. Ça permet de refroidir les ardeurs parce qu'on est tous chaud bouillant. Il y a le 10 janvier, on va en reparler. C'est que 10 janvier, c'est la date limite. C'est ça qui est important. Donc la SEC, à partir de maintenant, il leur reste à peu près 2 semaines pour donner leur position. Et la date limite, c'est le 10. Il y a deux gros ETF, en particulier ARK Invest. Ma crainte, clairement, et ça fait des semaines que je vous le partage, à court terme, ce n'est que du court terme, c'est qu'on va aller exploser les 48 000, 50 000. Vraiment, je vous dis ça depuis des semaines. Et ensuite, il y aura un espèce de sell the news, malheureusement. Et ça coïncide de plus en plus. Parce que là, on sent qu'il y aura de plus en plus des insiders, des gens qui auront l'information avant les autres que la SEC va l'accepter. Donc ça va se diffuser petit à petit sur les marchés. Les marchés vont exploser. Donc exploser 48 000, pour moi, c'est pas exploser. Donc je pense qu'on peut même aller plus haut, à 50, à 55 000, parce qu'on est déjà à 43, 44 dans mon scénario. Et ensuite, la nouvelle officielle tombe, et là, ça chute. Ça chute de combien? De 20 à 30% peut-être, pour enfin repartir. Et là,
Ça sera des choses intéressantes. En plus, ça sera pile entre l'acceptation de l'ETF et le halving du Bitcoin en avril. Coinbase, on dirait que c'est écrit, que c'était écrit, je vous en parle depuis des mois. Je pense que Binance s'est fait un peu avoir dans cette affaire. Je pense que Binance CZ s'est fait un peu avoir dans cette affaire. C'est gros, Coinbase arrive en Europe et ils arrivent en particulier en France. Ils ont l'approbation. Voilà. Donc c'est intéressant. Coinbase qui arrive, qui au moment où Binance s'effondre, bah eux ils arrivent en Europe, ils ont PSAN en France. Voilà, ils commencent à être pas mal. Et on sent le croisement, vous voyez, avec Binance qui s'écroule et Coinbase qui se développe au même moment, pile avant l'ETF. Coïncident, je ne sais pas. Je vous ai beaucoup parlé de miners. Les miners, le problème en ce moment, je regarde beaucoup, c'est qu'ils ont pas mal explosé. Et comme tout investissement, j'achète pas des grosses bougies vertes. Par contre, ça, c'est une opportunité qui peut être intéressante, mais très risquée. C'est l'un des plus gros miners qui s'appelle Core Scientist, qui est en train de sortir de la banqueroute. Ils vont sortir en janvier 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, ils étaient un peu entre guillemets en dépôt de bilan, leur activité se passait mal pendant le bear market, ils ont manqué de trésorerie, je sais plus exactement les causes, mais en tout cas ils étaient mis sous le chapitre 11 aux États-Unis qui vous permet de continuer votre activité et vous n'avez pas remboursé les créanciers. Ils sont en train de sortir de cette phase, bien évidemment le Bitcoin est en train d'exploser, donc forcément l'activité de minage, mais mécaniquement explose et elle va continuer à exploser en 2024. Donc ils sortent de la banqueroute, bankruptcy. Donc c'est très risqué et voilà. Donc moi c'est un projet sur lequel je vous ai dit, je regardais un peu des boîtes de minage. Et eux, alors c'est très bizarre parce qu'ils viennent d'être cotés, je pense, non, 17 janvier. Donc malgré la banqueroute et tout ça, ça continue. Et après, ça vaut quand même ouais, 424 millions. Faut voir, ils sortent de la banqueroute. Est-ce que ça se tente ou pas? En tout cas, je vais regarder plus en détail le dossier, je vous en parlerai, je pense. Ça peut être des coups à jouer, parce que sinon les gros qui marchent bien dans le milieu du minage valent très très cher aujourd'hui. Surtout là, ces derniers temps, ça a explosé avec les gains qu'ils font dans tout ce qui est leur ordinals et tout ça sont devenus encore plus des cash machines. Donc forcément, le marché le valorise très très haut. C'est très risqué, je vous le dis, mais en tout cas, je vais regarder ça de plus près. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est encore une fois à l'américaine. Vous savez, aux États-Unis, les films. Ce qui est très important parfois, ils investissent 10% du budget dedans, ce sont les bandes-annonces. Bah là, les Américains sont en train de nous faire des bandes-annonces, vous avez vu une pub, ils ont fait une V2 avec une suite où ils parlent de Sanoshi qui send his regards et tout ça, qui leur envoie leurs salutations et tout ça. Donc il y a de plus en plus de pubs, et pour moi c'est un peu la bande-annonce de l'arrivée de l'ETF Bitcoin. Je sais pas, comme s'ils savaient, ils préparaient un peu voilà, la bande-annonce de l'arrivée du Bitcoin. Il y a de plus en plus de pubs, il y en a déjà eu 3 aux États-Unis. Ensuite, c'est pas le bilan, mais en gros, voir un peu ce qui a explosé. Effectivement, il y a Solana, il y a Avax. Et moi, le gros comeback, ça a été Helium, qui était un projet qui vraiment s'effondrait. C'est dans l'IoT, pourtant un domaine exceptionnel. Depuis qu'ils sont associés à Solana, ça explose. C'est un peu les gros dossiers qui ont relancé les altcoins, on peut dire. Solana d'abord. Avax, on ira le voir juste après. HNT, j'en ai parlé récemment. Et STX aussi, parmi les gros dossiers, on va dire. Et enfin, pour finir avec encore une actualité positive, l'Argentine, alors ils n'ont pas accepté comme au Salvador le Bitcoin comme monnaie légale, mais ils ont accepté que des contrats soient signés avec du Bitcoin. Donc ça, c'est quand même un premier pas en avant. Ça peut faire partie des annonces qui vont venir apporter un peu de positif en 2024. C'est s'ils acceptaient le Bitcoin comme monnaie légale, parce que l'Argentine, bien évidemment, ce n'est pas le Salvador. Ça peut être un électrochoc dans le monde entier quand même, si l'Argentine, en plus pays connu pour ses crises à répétition, on dirait tous les 10 ans il y a une crise financière, ils sont obligés d'évaluer la monnaie et tout ça, donc ça peut être une solution pour eux. Au niveau du marché, on a parlé de NIR, qui a l'air de prendre le relais, on ira voir plus en détail d'Avax et avant de Solana. Même si Solana continue, ça c'est dingue, 93, ça commence à valoir beaucoup. 40 milliards, bah ça a explosé BNB, je pense. Juste en dessous. C'est une question de jour. Ce qui me fait plaisir à titre perso, c'est Polkadot qui enfin commence à partir. Et surtout, il est en train de faire un plus haut, on va aller voir plus haut annuel.
qu'au niveau du Bitcoin, on a quand même des volumes relativement corrects, sans être exceptionnels. Je trouve que c'est sur l'Ethereum qu'on a des beaux volumes, 12 milliards, c'est pas mal. 2002, elle est belle, 43 008, 44, bon. Rose qui continue, ça se chevauche, c'est fantastique, ça fait très très plaisir. Ce qui est important de voir, c'est que le niveau de l'euro, mis à part, donc surtout 2023, mis à part cette espèce de boss où on allait exploser les 1,13, mais tout de suite on est retombé, on est sur les plus hauts de l'année. Donc ça, ça peut être important, je vous en ai beaucoup parlé sur 2023, vous voyez bien qu'on est sur des niveaux très hauts, très intéressants, où on peut basculer vraiment vers le haut. Très souvent, l'indice euro-dollar est un indice un peu avancé sur les marchés financiers. À chaque bull run, regardez l'euro-dollar en weekly sur plusieurs. Vous verrez que 2021, les différents bull runs qu'il y a eu à chaque fois, vous avez l'euro-dollar qui explose. Mais là, il est dans une super belle config pour nous préparer une explosion en 2024. Ensuite, le Bitcoin, tout simplement, on finit l'année pratiquement sur des plus hauts. Ma crainte, c'est une explosion vers les 48-50 pour va venir repiquer. Ensuite, Polkadot, ça fait très très plaisir. Enfin, ça explose. Et surtout, c'est en train de vraiment se détacher. Ça a été laborieux. Souvenez-vous, quand ça valait, on en a beaucoup parlé, quand ça valait sous les 4, ça nous paraissait quoi? Moi, ça me paraissait irréel. Et encore une fois, ceux qui ont osé acheter sous les 4, ça paraissait... Là, des hommes disaient que ça allait à 2. Ceux qui ont osé acheter sous les 4, bah, c'est pas mal en ce moment. Ensuite, FTM, j'en parle parce que c'est en train de s'extirper aussi par le haut, tout doucement, tranquillement, personne n'en parle, mais c'est des hausses que j'apprécie aussi. Grosso modo, FTM, c'est l'un de mes, si ce n'est pas mon dossier préféré, c'est une layer one, mais moi je dirais que c'est surtout une valeur DeFi, parce qu'ils sont très spécialisés dans la DeFi. Dans la DeFi, c'est l'une de mes, peut-être si ce n'est ma valeur préférée. Ensuite, Avax, on en a parlé, et on en reparlera, parce que là, ça commence vraiment à être waouh. Ça valait 8, hein, souvenez-vous, ça valait 8-9, ça vaut 47, ça fait plus que des fois 5. On en reparlera, mais moi, à titre personnel, je vendrai une partie de ma ligne. Binance, je voulais en parler rapidement, parce que mine de rien, ils entendent repartir discrètement dans l'anonymat total. Ce qui est intéressant avec Binance, c'est qu'ici, il y a eu des telles bougies rouges, donc aucun support qui a été défini, hein. Ça, c'est pas des supports, c'est des micro-supports. Que ça peut faire l'effet inverse. Ça peut vite se retrouver à 300 sans aucun problème et assez rapidement. En fait, NIR, vraiment dans la lignée, on a vu Solana, on en a beaucoup parlé, ensuite Avax, on en a beaucoup parlé. Bah là, c'est NIR qui nous fait une espèce d'Avax, de Solana. Et en général, quand ça part comme ça et que ça explose les plus hauts, franchement, ça peut aller très très haut assez vite, c'est ça qui est dingue. Et on va finir sur ça. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Profitez-en bien. Et on se retrouve, je vous le dis, mardi. Bien évidemment, s'il se passe des choses dans les 3 prochains jours, je ferai à minima un petit flash, un petit coucou, et je ferai un peu de com, on verra. Mais pas trop de vidéos, j'ai besoin de faire un petit break. Je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous dis à très bientôt. Ciao tutti.